Ce soir, à l'occasion du 5e sommet sur la finance et les technologies appliquées, organisé par le groupe Croissance, je suis très heureux, d'autant plus heureux que je me retrouve devant un secteur important de la vie nationale pour parler de la problématique des exportations. Votre présence à cette soirée cocktail indique toute l'importance que vous accordez aux affaires économiques du pays. Je veux croire qu'Haïti s'inscrit désormais dans un autre agenda, celui de la croissance, de la renaissance, de la prospérité et du développement socio-économique. Le groupe Croissance a pris la bonne habitude d'inviter le gratin du monde des affaires en Haïti et des personnalités du monde international pour débattre et discuter plusieurs aspects de l'économie nationale et de ses relations avec le monde extérieur. Cette initiative est d'autant plus heureuse qu'elle s'inscrit dans les annales nationales comme une vraie école de vie. Dans un pays qui a tant besoin de modèles, de repères et de guides sûrs, les distinctions faites par le groupe Croissance inspire la jeunesse montante du pays et la société haïtienne en général. Chers amis, le gouvernement de consensus que j'ai l'honneur de diriger est intéressé par ce sommet sur la finance et les technologies appliquées pour des raisons fondamentales. D'abord, le thème central, à savoir comment financer les exportations, rejoint nos préoccupations. Il est parmi nos priorités, il est inscrit dans l'agenda économique du gouvernement. Ensuite, le sommet, par la qualité des interventions et des échanges, est le lieu privilégié d'émanation d'idées de politique publique novatrice susceptible de dynamiser certains secteurs porteurs de l'économie. Enfin, je crois que les exportations de biens et de services constituent l'objectif majeur qu'il faut intégrer dans nos plans d'affaires visant à la stabilité politique que nous appelons de tous nos voeux. La stabilité politique est indispensable pour renforcer la capacité des acteurs économiques à l'interne comme sur le marché des exportations. Elle permettrait de générer la croissance et de créer des emplois pour une bonne partie de la population. Il n'y a pas de doute que ce 5e sommet international sur la finance et les technologies appliquées a déjà fait l'objet de débats pendant les 2 jours de discussion dans les ateliers et au cours des séances plénières. La dynamisation du secteur des exportations est une stratégie fondamentale de la refondation économique de l'État. Nous sommes appelés à financer les exportations dans une stratégie de financement de l'économie nationale, sachant que l'accumulation des devises des exportations servira d'une part à stimuler la demande locale et d'autre part contribuera à créer de nouveaux emplois dans l'économie. Ces emplois, à leur tour, contribueront à l'augmentation de l'assiette fiscale. Ceci dit, le financement des exportations s'impose en investissement de haute